Doucement. Attends pas, Mercure, on t'attend là. Fais le malin, fais le malin. Café ? Ouais, qu'est-ce que... Ok, on arrive. Qu'est-ce qui se passe? Évasion CHU. Nadia est déjà sur place, je te briefe en route. Bah, pourquoi c'est pas la BRI qui s'en occupe? Parce que le type qui s'est évadé est un ancien client à nous, Franck Mercure. Il me dit rien? C'est normal, c'est avant que tu rejoignes le groupe. Mercure est un psychopathe condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Pour enlèvement, séquestration et meurtre. Son truc, c'est les petites à la blonde de 18 ans. Il en a taillé des 4 jusqu'à ce qu'elle meure. Sans Bernier, on l'aurait jamais conseillé 2 ans. Ouais, Martin, c'est moi. Écoute, je sais que t'es de repos aujourd'hui, mais ça urge. C'est celui qui connaît le mieux Mercure. On a besoin de toi pour le conseil. Rappelle. Bonjour. Je suis responsable de la sécurité du CHU. Bonjour. C'est moi que vous avez en ligne. Ouais. C'est un miracle qu'on n'ait pas eu de main. On sait comment Mercure a réussi à s'évader? Non, à cause de la panique, les témoignages sont confus. On pense qu'il a bénéficié d'une complicité en interne. Bon. De toute façon, avec la vidéosurveillance, on devrait en prendre plus. Vous avez réussi à transférer les images à l'ASR? Ouais, c'est fait. Ok, parfait. Merci. Tiens, avant les flics chargés de la surveillance de Mercure, elle voit ce que tu peux en tirer. Ok. Vicky, c'est bon pour toi pour les vidéos? C'est bon. Je suis sur les images après la sortie des blocs. T'as repéré Mercure et son complice? Affirmatif. Il est poussé par un type en tenue stérile, grand, massif. Mais je vois pas son visage. Bon, ok, les lâche plus, hein. Tu vas être mes yeux. Dis-moi par où il passe. Mercure et son complice prennent l'ascenseur de service. Ils descendent. Au premier sous-sol. Ok, je prends le même chemin. Ça nous emmène où par là? Au parking du personnel. Il y a de tout, hein. Il y a des vestiaires, des débarras. Et t'as une meilleure vue sur le complice? Non. Non, non, il sait où sont les caméras. Par contre, il a un badge. Le badge est au nom de Vincent Canelli, infirmier anesthésiste. Ok, dis à Alex de creuser sur ce type, je veux savoir quels sont ses rapports avec Mercure. Et continue de mater les vidéos, je veux aussi savoir par où ils sont sortis. Ça marche, je continue, chef. Alex? Ouais. Le complice de Mercure avait juste besoin de son badge pour accéder au bloc. Et il a ciblé quelqu'un d'une corpulence identique à la sienne. Tout était soigneusement planifié, organisé. Faut absolument qu'on trouve quelque chose. Ah ben ça, pour trouver, on trouve. Hein. On a des cheveux et des empreintes en pagaille. Le problème, ça va être d'identifier leur proprio. On va faire le maximum, comme d'habitude, mais vu que le complice de Mercure n'a laissé absolument aucune trace sur Canelli, faut pas s'attendre à un miracle. On voit jamais le visage du complice à part ses yeux, là. J'ai quand même un truc intéressant. Ça, c'est la rue qui donne sur l'arrière de l'hôpital. Regarde là. Tu vois ce truc là? Oui. Dans le caniveau. Un masque stérile, dont l'élastique a lâché. Sûrement celui que Mercure portait pendant l'évasion. Voici, tu peux en tirer quelque chose. Ouais. Dis-moi, t'as des nouvelles de Martin? Non, toujours pas, non. Je sais pas ce qu'il fout. Bah, je vais faire un tour au port. Je vous tiens au courant.
Mercœur a grandi dans la banlieue de Nice, régulièrement battue par son père qui frappait aussi sa mère. Elle a fini par en mourir. Et le père a été mis en tôle, où il s'est fait poignarder quelques mois plus tard. Mercœur avait 14 ans, il a été placé en foyer. À 18, il a embarqué sur un cargo à destination du Canada, et ensuite on perd sa trace. Oui, jusqu'à ce qu'il revienne à Nice, il y a 2 ans et demi, où il fait 4 victimes en moins de 6 mois. Vous aviez plusieurs suspects à l'époque, comment Bernier a su que c'était lui ? L'homme qu'on recherche est un séducteur. C'est comme ça qu'il piège ses victimes. Mais c'est aussi un narcissique. Il adore qu'on parle de lui. De ses œuvres. Il en a besoin. Il sent surpuissant. Alors c'est comme ça qu'on va le faire sortir du bois. On va laisser filtrer l'info comme quoi on a arrêté un suspect. Il va pas supporter que quelqu'un d'autre lui vole la vedette. Alors il va vouloir enlever notre fille. Mais cette fois, on sera derrière lui. Bernier, il finissait face à son barbecue dans sa bagnole. Mercœur n'a plus aucune famille. C'est un sociopathe, un solitaire. Pourtant, quelqu'un l'a aidé à s'évader. Quelqu'un qui n'a pas hésité à tirer sur des innocents. Alors qui ? Quelqu'un qui mesure 1m80 et qui pèse plus de 100 kilos. Un ex-détenu qui aurait une grosse dette envers lui qui serait sorti récemment ? En tout cas, c'est quelqu'un qui connaissait bien l'hosto. Hein, parce qu'à aucun moment, on voit sa trombine. Exact. Il savait que Mercœur venait tous les mois pour se faire faire une greffe de peau. Alors on liste tous ceux qui étaient au CHU les jours où Mercœur y était. Et on recroise avec la liste de tous ceux qui ont eu affaire à lui durant sa détention. On vérifie les alibis, bien sûr, pour la matinée. Pourquoi il le porte ? Son complice, là, il le porte pour le mettre dans la camionnette. Mercœur était sous sédatif avant d'entrer au bloc ? Non, il a peut-être été blessé dans la panique. Non, personne n'a été blessé, regardez les vidéos. Vous avez raison. Un truc qui nous échappe. Quelque chose ? Eh ben non, j'ai aucune empreinte sur le masque. Pas d'ADN non plus, mais j'ai quand même prélevé des résidus sur la face interne. Et tu vas voir, c'est pas banal. Il y a une très forte concentration de trichlorométhane. Ben, si tu préfères, c'est du chloroforme. Mercœur a été endormi ? Exactement. Il s'est pas évadé, il a été enlevé. Qui est-ce qui a fait un truc pareil ? Probablement un proche de la victime qui supportait pas de le savoir en vie. Mais non, il l'aurait buté sur place, pas besoin de l'enlever. T'as raison. Et surtout, il n'aurait pas pris le risque de blesser des innocents. Excuse-moi. Oui ? Oui, elle-même, oui. Ah bah très bien, passez-le-moi. C'est Durieux, c'est le gars de l'IRCGN. Il a reçu les résultats de la balistique. Mais si t'appelles en personne, c'est clair mes fichiers. Il y a des chances, oui. Oui, oui, je suis là, Pascal, je t'écoute. Quoi ? Non, attends, c'est pas possible, tu t'es forcément planté quelque part. Non. Mais je te remercie d'avoir appelé, Pascal. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a ? L'arme qui a été utilisée au CHU, c'est un Six Hour SP-2022 calibre 9 mm. C'est l'arme de Bernier. Le bateau de Bernier n'est plus là. Un employé de la capitainerie l'avait quitté le port hier vers 17h. Et vous avez essayé de le joindre par radio ? Il répond pas non plus. D'après son GPS, il se trouve à 5 milles des côtes à la verticale de Saint-Raphaël. Putain, bon, je lance la recherche hélico. Merci. Thank you.
cabine? Oui. Du poisson. Pourquoi se priver, hein? C'est la fête ce soir. Oh, est-ce que t'es tendu? En même temps, après ce que t'as vécu, mon pauvre chéri, tu vas voir. Tu as oublié ces deux dernières années. Tu sais quoi? J'ai encore un cadeau pour toi. Tu vas adorer. Rappelle qu'il a pris date d'hier à 19h. Mais si type qui a enlevé Mercœur avait juste besoin d'une arme, c'est quand même plus simple que de venir sur le bateau de Bernier pour lui piquer la sienne, non? Je comprends rien. Mais attends, mais je dis des conneries, moi. La disparition de Bernier change la donne, forcément. Mercœur haïssait Bernier, il criait sur tous les toits qu'il allait se venger de lui. Et alors, c'est pas Mercœur qui est venu chercher Bernier? Non, mais si on est venu chercher Bernier, c'est pour le confronter à Mercœur. Les deux enlèvements sont liés, c'est pas un hasard. Vraiment sûr. Regarde, tranquille. C'est son dame de service. Je me suis dit que ce serait un juste retour des choses. Hein?
me supplier de t'achever. Et comme les jeunes filles. Ah, la dernière a tenu 48 heures, tu crois que tu pourrais faire mieux? Lâche-le! C'est juste un avant-goût, connard! Alors Nadia? Bon bah la peinture est très récente, hein. Peinture bleue. Tu me laisses 2-3 heures? Comme ça je pourrais te dire exactement le genre de bateau qui a accosté celui de Martin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait plus de 6 heures que Mercure s'est évadé. Donc ça lui laissait le temps de se venger de Bernier. Non, Mercure est un sadique, il aime faire durer le plaisir. Et torturer ses victimes jusqu'à ce qu'elles succombent. Ouais, enfin en général c'est avec des jeunes femmes. C'est comme ça qu'il prend son pied. C'est pas pour autant qu'il va changer de mode opératoire. Combien de temps il peut tenir Martin? J'en sais rien. Mais la meilleure façon de l'aider, c'est de savoir qui l'a enlevé et où il est retenu. On se bouge. C'est presque fini. Francky a pas perdu la main. La lame a touché ni l'artère, ni l'os. C'est infirmière. Je suis kiné. Dans le privé? Ah ben non. Au CHU, oui. J'imagine que c'est là que vous avez rencontré Mercure. J'étais juste venu voir une de mes patients qui était hospitalisée. Là, j'ai su qu'il venait régulièrement se faire faire des greffes de peau. Et vous êtes revenu au CHU? Il fallait absolument que je lui dise. Salut, Francky. Destin qui m'a mis sur son chemin. Je comprends. Mais je vous ai entendu tout à l'heure, là. Pourquoi vous l'avez enlevé? Ce type est dangereux. Bon, allez. Avale ça. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Pourquoi vous faites ça? Pour lui. Il est quoi pour vous? Ne m'obligez pas à utiliser la force. Ouvrez la bouche. Avale. Essayez de dormir quelques heures, hein. Les lettres que Mercure a reçues en tôle. Ce taré a un fan club presque aussi impressionnant que Sermonson. On a les noms de ces cinglés? Certains, ouais. Il y en a même qui envoient des photos, d'autres qui demandent des parloirs, mais en général, on a surtout un prénom. Et comme Mercure n'a pas pris la peine de leur répondre... La liste des membres du personnel pénitentiaire. Celle des civils, qui font les interventions en prison. Ça, c'est les détenus récemment libérés, qui ont été en contact avec Mercure pendant 2 ans. Et ça, c'est la liste de tous ceux qui étaient au CHU quand Mercure venait se faire greffer. Membres du personnel et patients. Je recoupe les noms avec ceux des autres listes. Ok, on interroge tous ceux dont on a les noms, on vérifie les alibis. Pour les autres, on épluche les lettres. Toutes les lettres. Allez. S'il avait raison, si t'avais laissé traîner des trucs derrière toi. Fais-moi un peu confiance, Francky.
C'est quoi le plan maintenant? Reste enfermé ici? Bah, tant que ça se tasse, oui. Mais je vois pas la différence avec la tôle. C'est pas très gentil, ça. Je fais mon maximum pour que ce soit confortable. Tu te sens bien ici? Je suis quand même enfermé. Mais t'es plus tout seul. Je suis là maintenant. Je vais m'occuper de toi. Je vais rattraper le temps perdu. Première soirée en tête à tête. Ça fait 20 ans que j'attends ça. Pas toi? Oh, si, si. Hein? Alors, qu'est-ce que t'attends pour me faire danser? De votre déposition, monsieur. Vous pouvez y aller. Merci, au revoir. Au revoir. Hey, écoutez ça. Cher Franck, il t'a fallu du courage pour faire ça. Beaucoup de courage. Tu es une source d'inspiration. Merci. Signé S. C'est Paul Plubaré. Cher Franck, vous pourrez me dire quelle marque de couteau vous utilisiez? Du matériel d'artiste, j'imagine. Les médias n'ont pas parlé, je vous joins une enveloppe timbrée pour la réponse, signée Léopold Mattei. Ah ben c'est con, il a un alibi en béton. Il est en HP depuis un mois. J'ai peut-être quelque chose, ça vient d'une dénommée Cathy. Elle parle d'une certaine Chloé que Mercure aurait agressée par amour pour elle. Ah ouais, mais il n'y a pas de Chloé dans les victimes. Mais enfin, on les connaît peut-être pas toutes. Hein. C'est curieux parce que l'écriture est celle d'une adulte. Pourtant, sur la photo que Cathy a envoyée d'elle, on voit une ado de 13 ans. Oui, mais ne perdons pas de temps avec les suspects féminins. Je vois pas une nana porter un type de 80 kilos, et surtout endormie. Nadia a identifié le modèle de bateau utilisé par le complice de Mercure. Il s'agit d'un cabin cruiser Cormoran de 9,30 m. Ça, c'est de l'info. Ok, on recense tous les proprios de ce genre de bateau, et tous les mecs qu'on a loué aussi. Hein. Il est minuit, là. Tous les loueurs sont fermés. Hein. Eh ben, tu les réveilles. Je vous rappelle que Martin était enlevé. Un mec comme Anto, je te fais pas un dessin. Chaque nuit, je guettais les bruits. Comme toi. Des pas qui approchent. Un loquet. Un verrou qu'on ouvre. Des mains qui te chopent. Ça pouvait arriver n'importe quand. Le pire, c'est l'attente. Y'a rien de pire que l'attente, tu vas voir.
Catherine Lestac. Elle a loué un cabin cruiser avant-hier matin et elle a fait des soins à une de ses patientes au CHU l'année dernière. Une nana ? Catherine Kennedy. Qu'est-ce qu'on a sur elle ? Travail, famille ? Alors, 38 ans, domicilié à Mandelieu, 1m80. Elle correspond au profil. Elle bosse comme kiné dans un centre de rééducation fonctionnelle à Cannes. Une kiné qui fait faire de la rééduc ? Donc elle sait comment porter un bonhomme. Plutôt, ouais. C'est quoi son adresse ? Elle est toujours domiciliée chez sa mère, Joséphine Lestac. 5 chemin de la Madeleine, à Mandelieu. Oh putain, c'est là que Mercure a vécu jusqu'à ses 14 ans. Vous pouvez faire un comparatif sur les yeux ? Ah oui, avec la photo d'identité. Bien sûr. Ça match. C'est la même fille. Donc si Cathy a envoyé cette photo d'elle à Mercure, c'est parce qu'ils sont connus dans leur jeunesse et que visiblement, ils ont toujours un lien très fort. Qu'est-ce que vous me voulez ? Calmez-vous ! Bon, vous êtes Joséphine Lestac ? Oui, mon chou. Ma mère était fan de la grande Becker, mais tu peux m'appeler Joe. Bon, on cherche votre fille, Cathy. C'est pour ça que vous m'avez ramené entre deux gendarmes ? Vous pouviez pas me poser la question avant ? Vous savez où elle est ? Tu parles qu'elle me tient au courant. Ça fait au moins 4 jours que je l'ai pas vue. Elle s'en fiche bien de moi. Ses affaires sont toujours chez vous ? Où voulez-vous qu'elle soit ? On va être obligé de perquisitionner votre domicile. Je m'en souviens pas de ces mercredis dont vous parlez. Elle a pas pu le faire évader, comme vous dites. Je la vois pas faire un truc pareil. Remarquez, pour ce que j'en sais, je la vois jamais. Elle rentre, elle sort, s'occupe pas de moi, ni des courses, ni de la bouffe, rien. Les deux jobs que je cumulais, pour qu'elle manque de rien. J'ai une vie seule, vous savez. Je lui ai tout sacrifié, ma vie de femme, ma carrière d'actrice. J'ai fait une croix dessus par amour pour elle. Et elle ? Elle ! Moi, je crois qu'elle aimerait me voir morte. Et vous n'avez vraiment aucune idée de l'endroit où elle a pu aller ? Mais elle me dit rien, jamais. Quand elle me parle, c'est pour me faire des reproches, pour me crier dessus. Elle est méchante. J'ai honte de dire ça, mais... Elle me fait presque peur. C'est terrible d'avoir peur de sa propre fille. Vous faites pas avoir, Lucas. Cette femme aurait pu faire carrière comme actrice, par contre comme mère. D'après le journal, c'est plutôt Cathy qui a été le souffre-douleur de sa mère depuis toute petite. Une enfance pourrie. Comme ça, la Mercure. Il est encore temps de tout arrêter, Cathy. C'est tombé, vous sortirez jamais d'ici. Vous non plus. Mon équipe va vous coincer, vous mettre sous les barreaux si vous n'arrêtez pas tout de suite. Et vous lui servirez plus à rien. De toute façon, Mercury préfère jouer cavalier seul. Et vous allez devenir très vite encombrante pour lui. Vous parlez du poids ? Pas du tout. Vous pensez me vexer ? Me faire sortir de mes gonds ? À 2 ans, ma mère m'appelait Bouboule, et ça c'est quand elle était à jeun. Après 2 verres de scotch, c'était grosse vache ou tas de graisse. Je ne comprenais pas comment une femme aussi belle qu'elle avait pu accoucher d'un monstre pareil. C'est ce qu'elle disait au mec qui défilait dans son plumard. Alors moi, je suis blindée. Contre l'horreur aussi ? Et vous saviez qu'il avait envoyé des vidéos de ses victimes à leurs parents ? Tout ça par pur sadisme, c'est un monstre. Cathy, ce type est incapable du moindre sentiment. C'est pas vrai. Cathy a vécu un enfer chez elle, mais aussi à l'école. Elle était victime d'une bande de peste menée par une certaine Chloé. La fille dont elle parle dans sa lettre à Mercure ? La plus jolie fille de sa classe en 6e, une blondinette mince comme un fil qui s'est fait agresser entre l'école et chez elle. J'ai tout de suite compris qu'il avait fait ça pour moi, pour me venger. Il a dit que c'était rien, mais pour moi, c'était tout. Personne n'avait jamais pris ma défense avant ni après, d'ailleurs. Vous méritez pourtant qu'on prenne soin de vous. Mercure, je connais tout de lui.
Son passé, sa jeunesse, j'ai jamais entendu parler de cette Louis. À 12 ans, Francky savait déjà comment pas se faire passer. Je l'avais plus revu depuis 20 ans. Jusqu'à son arrestation il y a 2 ans. Je l'ai reconnu tout de suite. Il n'avait pas changé. Mais par contre, temps, il avait juste torturé et tué un certain nombre de Chloé. Ah, le fait qu'il soit revenu dans la région, c'était un signe. Le signe qu'il avait besoin de moi. Mais attendez, mais dans ce cas, il serait venu vous voir dès son retour à Nice. Me dites pas qu'il vous a pas donné un petit coup de fil. Vous comprenez rien à ce qu'il y a entre Franck et moi. On n'a pas besoin de se voir pour se comprendre. On est comme deux âmes sœurs, un peu comme Bonnie et Clyde. Comme eux, on montrera au monde qu'il faut compter avec nous. Mercure fera jamais tant d'aimer avec vous, et vous le savez très bien. Sinon, vous n'auriez pas été obligé de l'enlever à l'hôpital. C'est une surprise. Un peu comme de vous offrir un cadeau, c'est tout. Un cadeau qui n'a pas l'air vraiment de l'intéresser. Vous avez raté votre effet. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez beau faire les pieds au mur, il se débarrassera de vous la première occasion. Et sans aucun état d'âme. Francky ! Francky ! Je peux savoir ce que t'attends pour t'occuper de Bernier ? Je suis pas d'humeur, ces couteaux, c'est pas ceux que j'utilise d'habitude. Enfin, c'est ce qui se fait de mieux, c'est la grande classe. Et monsieur fait la fine bouche. Tu sais combien ça m'a coûté ? C'est pas une question de fric. Rien. Le vide te permet pas de travailler en finesse. Ben, je vais les ramener. Et c'est tout ce qu'il te faut ? T'es sûr ? T'as pas d'autres caprices à satisfaire ? Hein, tant que j'y suis. Pourquoi tu t'énerves ? Je me coupe en quatre ! Je fais tout pour toi ! Et c'est jamais assez. Et les couteaux, hein, c'est pas ce que j'utilise d'habitude. Et le fil à pas de finesse. Tu crois pas que je mérite un tout petit peu de gratitude? Merde! Je suis reconnaissant. Sauf que Bernier, il m'excite moins que les nanas. Attends, tu sais le risque que j'ai pris pour te l'amener? Je t'ai pas demandé de faire ça. Et n'attends rien en retour, sinon c'est pas un cadeau. Tu préfères la tôle? T'as qu'un mot à dire et je t'envoie direct là-bas. Oh, oh, attends, petit chéri. J'apprécie ce que tu fais pour moi. Je te jure. Je fais rien sans toi. Rien. Eh ben, l'oublie pas. On a mis des barrages sur tous les grands axes et toutes les petites routes. Les patrouilles ont été triplées en centre-ville. Les photos de Mercure et Cathy Lestat tournent en boucle à la télé et sur Internet. Et s'ils avaient déjà quitté la France ? Non, on a bouclé toutes les routes dans la demi-heure qui a suivi l'évasion. Tous les véhicules ont été fouillés. Ils sont encore dans la région. Ah, c'est vaste, on peut quand même pas fouiller chaque habitation. Mais Mercure va bouger, il est régi par ses pulsions. Regardez les intervalles de temps qu'il y a entre les meurtres de chacune de ses victimes. Ils sont de plus en plus courts. En prison, il a tenu qu'un coup de camisole chimique. Sans médoc, il va très vite se lasser de Bernier. Il lui faudra de la chair fraîche et tendre. Au point de le pousser à sortir de sa tanière pour chasser. Certainement, madame la procureure. Lucas Auriol. Putain, mais où ? Quand ? Ok, je vous envoie du monde. Une jeune fille blonde vient de se faire enlever à Sophie Antipolis. Elle sortait de la fac. Alex, tu fonces là-bas. Tu me trouves tout ce que tu peux. Témoignage, image, n'importe quoi. Des images filmées par la caméra d'une banque située juste en face du lieu d'enlèvement. C'est un taser. Surprise. Vous n'êtes pas obligé de plonger avec lui, Cathy. Je parlerai en votre faveur, je vous le promets. C'est encore ce genre de discours à la con ? Adorable, non ? Espèce d'ordure ! Je savais bien que ça le ferait plus souffrir que des coups de couteau. Attends de voir le meilleur.
adorable aussi, non? Je te conseille pas de toucher ces gamines. T'inquiète, j'ai décidé d'être grand prince sur ce coup-là et d'en libérer une. Le problème, c'est qu'elles me plaisent toutes les deux. Bleu, rose, j'arrive pas à choisir. Ces deux pétasses va vivre une heure. Sinon, elles crèveront toutes les deux. Sarah, on en est où sur Cathy Lestock? Nulle part. D'après ses collègues, on sait que c'est une femme solitaire et secrète. Mais ils ne se voyaient pas en dehors du boulot. Ils sont 18 ans à peine. Rien que d'imaginer ce qu'il peut leur faire et nous reste là comme des cons. On est sur le coup. C'est pas le moment de lâcher. Mais on sait même pas où ils se planquent, on sait rien. Si, on sait qu'ils sont toujours dans la région. Sinon, il aurait pas enlevé les deux filles à Sophie Antipolis. Et plus précisément, je sais maintenant qu'ils sont quelque part dans le Mercantour. J'ai comparé les scènes d'enlèvement des deux jeunes filles et les deux fois, j'ai trouvé des résidus de saxifrage. Saxifrage? Oui, c'est une espèce florale très rare, protégée. Vicky, s'il te plaît. Et on ne la trouve que dans le Mercantour, au-dessus de 1700 mètres. Ils sont peut-être planqués dans un refuge. Ils sont tous vides hors saison. Ok, je demande un soutien à Nico. Attendez. Ben voilà, c'est ça. Cathy a dessiné cet endroit à plusieurs reprises dans son journal. Cathy parle beaucoup de cet endroit dans son journal. Elle l'appelle la maison sur le toit du monde. Elle dit que vous l'avez emmenée là-bas plusieurs fois quand elle avait 8 ans. Peut-être, oui, je sais pas. C'est loin. Crève de chaud si vous n'avez pas la clim. Ah non. Et il fait pas chaud, c'est le manque qui vous fait ça. Didi, c'est qui? Aucune idée. T'es pas une clope? Je fume pas. Didi, c'était un de vos fiancés. Je croyais que c'est facile de se quitter avec un boulet comme Cathy. Elle avait le chic de les faire fuir. Elle ou vous? Alors. Voilà. J'aime bien aller chez Didi, il se moque jamais de moi, lui. Il m'aime bien et moi aussi je l'aime bien. Il m'a offert un bracelet pour mes 9 ans, maman était furieuse, elle lui a crié dessus. Elle a dit que je le reverrai jamais. Mais Cathy est retournée voir Didi en cachette parce qu'elle avait 11 ans quand elle a fait ses dessins. Et alors qu'est-ce que ça peut faire? J'ai épluché sa scolarité. Cathy manquait parfois le collège un ou deux jours. À chaque fois ça coïncide avec l'arrivée d'un nouveau fiancé dans votre vie. Allez, oh, ça va, hein, prenez pas vos grands airs. Vous êtes qui pour me juger, hein? Vous avez déjà crevé de faim un jour dans votre vie, vous? Deux jeunes filles de 18 ans sont aux mains de Mercœur et c'est un tueur. C'est pas vrai, vous racontez n'importe quoi. Laissez-moi partir. Je suis sûre que ces jeunes filles sont là, dans cette maison que Cathy aimait. Pourquoi elles seraient là, hein? Je sais pas, le jeu. C'est pas vrai. Regardez. Alors, la bleue ou la rose? Comment t'as fait? Du coup, tu parles? Tu me dis pas que c'est Cathy. J'arrive pas à croire qu'elle ait pu concevoir ce plan toute seule. Mon enlèvement, le tien, celui des deux gamines. Là, ça relève du grand art, là. Je te connais trop bien, Mercœur. Il n'y a qu'une âme tordue comme la tienne pour monter un truc de fou pareil. À moins qu'elle ait dépassé le maître. Non, elle a pas ta... Comment dire, là... Ma finesse. Voilà. C'est sûr qu'on est ce côté. Comment t'as fait pour la convaincre? Je suis son lieu. Depuis tout le monde, c'est tout. C'est en rapport avec cette histoire de Chloé? Oui, Cathy m'a raconté comment tu t'étais débarrassé d'elle pour la protéger. La protéger? Non, mais t'as vu l'engin? Cathy a 12 ans, elle devait faire deux fois le poids de Chloé. Oui, pour quelqu'un qui me connaît bien, t'es complètement à côté de la plaque. Mais je comprends bien maintenant, oui. Et Chloé, c'était ta première? C'est de la coupe, hein. Tout le monde pensait que c'était un rôdeur. Cathy a été persuadée que j'avais fait ça par amour pour elle. Bon, mais t'imagines le truc? Par amour pour elle? Elle était même prête à me fournir un alibi si j'en avais besoin. J'ai pas démenti. À partir de là, elle était ferrée, prête à tout pour moi. Et du coup, je comprends mieux pour Bonnie et Clyde. Hein? Si, tu sais, ce couple indestructible qu'elle veut former avec toi, là. Mais la Bonnie, elle est complètement à la masse!
s'est déjà regardée dans une glace, la grosse truie. Lap. Tu m'as menti. Toutes ces années à penser à toi et tu m'as menti. Parce que je suis comme ça, Cathy. Je triche, je mens, je fais confiance à personne. Je suis quelqu'un de mauvais. C'est pas de ma faute, j'ai pas choisi d'être comme ça. Pourquoi tu m'as pas appelé quand t'arrives à Nice? Je pensais que tu m'avais oublié. Il n'a pas eu besoin de vous oublier. Pour lui, vous n'avez jamais existé. Mais écoute pas, il cherche à te monter contre moi. Pense à nous deux hier soir, notre soirée. Notre baiser. Et après, vous avez fait quoi, l'amour toute la nuit, c'est ça? Mais je comprends mieux maintenant pourquoi il n'est pas venu s'occuper de mon sort. Une voiture pareille, je me disais quand même, ça tarde. Mais connard! Tu peux pas comprendre! 2 ans de tôle sans toucher une femme, j'ai eu les jetons. Pourquoi tu m'as rien dit, moi j'aurais compris. Parce qu'il bande pas. Sa seule façon de prendre son pied, c'est de torturer des gamines sans défense. Mais il essaye de t'embrouiller, Cathy. Regarde-moi. J'ai pas l'habitude d'être aimé. J'ai pas appris à aimer. Juste à prendre des coups. Mon père a fait de moi un monstre. Mais je peux changer. Non, tu changeras pas. Mon boulot, c'est de traquer des types comme toi. On a beau y croire, mais... le mal est trop enraciné depuis trop longtemps. Il y a un couteau, Cathy, il y a un couteau, tirez ! Tirez, Cathy ! Ma fille de ton finesse. Mais Bonnie, il n'y a pas mieux. Oh,
ça fait mal, hein. Je vais y aller tout doucement. Je vais te soulager, tu vas voir. D'accord. Ça va les mecs. Martin. Martin. Merde. Par ici. Martin. J'avais dit que je me débrouillais tout seul, je crois, non? Et tu pensais que j'allais t'obéir? Des nouvelles de Mercœur? Bon, Mercœur sera plus un problème. La moelle épinière a été touchée, il est condamné au fauteuil roulant. Tiens, au fait, je suis passé voir ton bateau. Il est prêt à sortir. On y va? Pourquoi pas?